été faire un petit tour à Noz. Et Action, Army. Ouais. Voilà, on a été faire un petit tour. Ça faisait chier, donc on a dit, allez hop, on va aller faire un tour. On était avec Laura. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Mais voilà. On a pris. Noz. Ouais, c'est Noz là. On a pris des nouilles au meugle, il y a deux sortes. Celui-là et celui-là. Il y a un fromage et l'autre c'est taille. Vous foutez la flotte directement dedans, hein. Là c'est quoi que t'as dit là, taille et l'autre c'est quoi? Au fromage, la crème au fromage, des pâtes au fromage. Il y a 2% de matière grasse, oh c'est bien, ouais. Et puis 5 minutes au four à micro-ondes. 50 voilà. 5 minutes d'attente par exemple. Donc voilà, on testera, on vous dira dans les produits finis. Si c'est dégueulasse ou c'est bon. C'est pas cher, 0,50 centimes. Ah oui, il est là. Je ne sais pas trop si Alexis il va manger. Ouais. Ah, ensuite, ma femme s'est racheté une raie parce qu'elle adore en rayon. Donc elle s'est acheté une raie. En fait, ça vaut le coup là. Hein. C'est flexible. Donc c'est 0,79. Je ne la casse pas. Ah si, elles sont flexibles. Et on ne la casse pas. Donc là, c'est une 30 cm. Hein, je c'est une Maped, hein. C'est une bonne marque. Hein, donc, c'est une Maped. Ouais. Et c'est pas il y avait bêtises. Des bleus, des roses c'est comme vraiment, ça. C'est vraiment des mappets. Il y avait des équerres aussi, des rapporteurs. Ah, parce que des réparateurs, c'est difficile. Ouais, ça vaut le coup. Si vous voulez racheter pour vos gamins, ça vaut le coup. Ouais. On a pris des petits... Millefeuilles, merci. Des petits millefeuilles, ça c'était en surgelé, donc on les a mis au frigo. Ouais, enfin, au petit frigo. Micro-frigo. Frigo, donc ça on les a mis au frigo, on va les manger ce soir. Et ça, c'est 1,99€ et il y en a combien donc 4, je pense. 16 pièces. Ah bah c'est vraiment des micros alors. Vas-y, ouvre pour que les gens y voient au moins. Ah ouais mais... C'est pas grave, de toute façon on va les manger ce soir t'as dit. Donc. Je sais pas si ils ont des vendredi. Non, samedi soir. Ouais c'est vraiment des micros millefeuilles. Ah c'est comme les apéritifs mais en... Ouais, c'est des petits... Ouais c'est vraiment tu des en petites faire parts. Gros, hein, gros, hein. Tu manges une grosse part entière. Voilà. On continue dans la bouffe, on a acheté du cassoulet, de casse... Le canard. Castelnaudary. Pour deux personnes. Castelnaudary au canard. Non, voilà. Si, voilà. Ouais, pour madame et moi, quand on sera tous les deux cette semaine. Canard, hein. C'est trop bon ça. Donc ça coûte 3,99€ quand même. Ah, je précise. Il y avait autre chose aussi, les trucs aux lentilles, au canard. Au canard aussi, ouais. Et je ne sais plus ce qu'il y avait d'autre. Donc voilà, donc 3,99€. On a repris des mi-cadeaux, ouais, parce que c'était en pas cher là-bas. Donc ils étaient en pas cher. Ils étaient en pas cher. Donc 0,79 centimes le paquet. Donc on en a pris 3 parce qu'Alexis va manger un et Tiff va embarquer les deux. Va embarquer un ou va manger va un. Embarquer les deux. Donc ça ne durera pas longtemps. C'est vrai qu'il y a une boîte de Mikado, ça va vite. Bah, c'est une fois que tu as fourré ton nez dedans, on va pas faire. Et hop, on a repris du San Marco, du café. Donc ça, c'est pour moi, hein, les dosettes café. Moi, j'adore le café, vous savez très bien. Donc c'est pure Arabica. Donc ça, c'est 2,99€. Ouais. 36 à l'intérieur. 36 dedans. C'est pour la Senseo. C'est du classique, je précise. C'est pas du corset, c'est du classique. Hein. C'est il y en avait en corset aussi, si vous aimez bien. Alors moi, j'y vais un petit peu plus mollo au niveau du dosette. Hein. J'ai pris du ruban rose fluo comme ça. Là. Donc un peu... fluo, oui. Donc ça c'est pour les attrape-rêves, donc j'ai pourri, il y avait plein d'autres couleurs, mais moi je voulais comme ça. Donc 0,79 centimes, et il y a 12 mètres dedans. Donc voilà. Je suis tombé, on est tombé sur encore un mug, un tif avec contente. Avenger. Donc ça c'est Avenger, désolé je ravalais ma selle, il va falloir que je boive un coup. Donc c'est une grosse, hein. C'est pas les petites, donc c'est 2,99€ la tasse. Ah, c'est pas, merde j'ai pas mes mugs là. Donc c'est vraiment du mug. Volume, c'est vraiment du bon mug. Ouais, donc ça c'est bon. Un mat, quand même. Ouais. Donc ouais, elle est aussi c'est, grosse que... c'est une grosse pâte quoi. Là au moins tu peux la tenir. Donc là-dedans, Black Widow, Widow apparemment, ouais, Scarlet Wing, Falcon, t'es. Donc voilà. Donc voilà, une nouvelle tasse encore. Et oui, Avenger. Moi j'adore les Avengers. Donc voilà. Mais là ça vaut le coup quand même, ouais. C'est Benny Marvel. À combien c'est 2,99€. C'est comme celle de Donkey Kong qu'on a pris là. Voilà, voilà. C'est dommage, j'avais pas d'autres Nintendo. Ah, il y a deux sortes. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait l'autre aussi. La Black et puis la Front. Ah non, c'est pour montrer devant et derrière. Tu crois? Bah oui. Peut-être. Front Time Black, c'est comme. Ouais, c'est ça, devant et derrière. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est devant et derrière. Moi, et l'anglais, vous savez très bien que je suis mauvais. D'accord. On a repris, désolé pour le bruit, des petites pâtes comme ça. C'est des. Macaronis, je cherchais. Donc. Et donc ça c'est des pâtes, hein, voilà, c'est la base, hein, à 0,55 centimes et il y a 500 grammes, je pense, ouais, c'est ouais, ça, 500 grammes dedans.
Moi j'ai pris un kilo. Tortiglonini. Alors si tu pourrais pour le présenter, celui-là il est difficile. Il y a un kilo là par contre. Donc ça c'est les gros tubes. Ça c'est bien ça. C'est marrant. Tu fais des pailles quand tu vas à McDo, mais tu les colles, tu vois. Big paille. Donc voilà, donc là il y a un kilo. Barilla, j'ai fait signe. Barilla. J'ai pris ça, des embellissements, donc ils sont super beaux, je trouve, avec des petits papillons et tout ça, des fleurs, des machins. Non, c'est des fleurs. Donc voilà, il y en a plus. Non, c'est les mêmes derrière. Non, c'est à plusieurs centimes. À 0,50 centimes, je crois qu'il y a plusieurs centimes, je l'ouvre. Oh, c'est pour nous, on s'en fout. C'est pour montrer. Ils sont en papier. Ouais, il y a plusieurs sortes. C'est en carton, pas en papier. Ouais, en carton. Donc il y en a 4 sortes hein, comme ça. Il y en a 4 ? Ouais. C'est les deux mêmes ? Non. Je crois que tu vas faire une connerie. Mmh. Hein ? Mmh. Je le sens. Mmh. Et après, tu diras que c'est moi. Tellement facilité les bonnes femmes. Oui, oui, oui. Donc, oui, ouais, c'est 4 sortes bien. Différentes. Donc voilà. C'est les embellissements, c'est les sortes. C'est pour embellir quoi ? C'est pour embellir. Tu mets ça sur les papiers cadeaux. Ah, bah oui, c'est pour embellir le papier cadeau. Voilà. À 0,50 centimes. Ma femme, elle a racheté du thé. My tea. Très bon celui-là. Il est très bon celui-là. À la menthe, j'adore. Bon. Ah, on avait goûté, rappelez-vous, le Volvic menthe concombre ou juste au concombre. Ah, ouais, le Volvic. Ouais, il n'est pas dégueulasse, il est bon, mais moi j'ai goûté. J'en ai pas retrouvé, dommage parce que j'aurais dû prendre un pack. Tu vois, je t'avais dit. Vachement bon. Enfin, on avait testé. Il y a un autre produit aussi que j'ai voulu tester à la rhubarbe, là. Pomme rhubarbe. Pomme rhubarbe, mais... C'était le pack en entier. Ah, c'est ça qui est chiant. Si c'est pas bon, on va se le farcir dans les... La dame me dit, ah, non, je peux pas le vendre à l'unité. J'ai dit, pourtant, c'est marqué sur l'étiquette. Hein, c'est ouais, bon, 42 centimes la bouteille. Ouais. Bah non, donc elle m'a dit, non, c'est opaque. Ouais, ils vendaient opaque. Donc c'est bon. Donc celle-là, c'est un litre, et donc parfumé à la menthe, hein, et c'est du terre. Du thé infusé, pardon. Ouais, mais ici, ils sont très bons. 0,95 centimes la bouteille. Donc voilà. Et c'est pareil, j'en ai trouvé en petite bouteille, donc du coup j'en ai repris. Et ça, c'était 1,85€ les 4 bouteilles. Donc c'est des bouteilles de, je sais plus combien, 33 centilitres. Donc ça, c'est pas mal pour aller au boulot, aux routes. Ça dépanne bien. Et moi, j'ai plus rien. Ah ouais, d'accord. Ah, on a trouvé la mère Poulard, donc du coup, il s'en est racheté. Merci Valou. Ouais. Un gros bisou. Non, mais non, il n'y a pas que Valou, il y en a d'autres aussi qui m'ont envoyé des messages, moi. Ouais, mais moi, Valou, elle m'a dit qu'elle a fait quelque chose pour moi. Ah bon ? Ouais, de la mer. Et du coup, on a trouvé, bah voilà, on n'a pas trouvé grand chose. Hein. Il y a vraiment quoi, une dizaine de paquets. Ouais. Il est temps qu'on arrive. Hein. Donc, pomme caramel, ça, c'est son préféré. Ah ouais. Et on a pris cookies. Les cookies. Bof, moi, je ne suis pas trop cookie, moi. Aussi, ils sont bien. Ils sont un peu secs, les cookies, je trouve. Mais bon, là. Et à 2,50€ la boîte, quand même. Donc, ah, c'est la mer Poulard. Hein. Ouais, je ne sais pas s'il y a beaucoup de différence avec le magasin. Là. Non. Oh. Oh, bah d'accord. Oh. Pardon, excusez-moi. Donc 0,99€, donc là c'est un petit cake et franchement ils sont super bons, c'est au chèvre. Chèvre et tomate. Ouais, ils sont super bons donc. Ouais, ils sont surgelés ça. Ouais, vous pouvez les vous jeter dedans, ils sont pas piquants donc je précise parce qu'il y a certains trucs qu'on achète chez Noz. Arrache. Qu'est-ce qu'on avait acheté la dernière fois qu'ils nous avaient. Les oignons frits là. Oh, là. Non, il y avait autre chose qu'on avait acheté. Et les poissons panés là, qu'ils arrachent. Ouais. Ça je peux pas. En plus on en a encore. Ouais, parce qu'il faut qu'on en mange avec Tiff. Donc là, c'est les tickets comme ça, ils sont super bons. Donc prenez ça dans le rayon surgelé, vous allez voir. Ouais. Là, on est vendeur. Là, je peux vous le dire parce que c'est super on bon. A goûté, donc 230 grammes le cake chèvre tomate. À 0,99 centimes, ça vaut le coup. Et on a pris aussi un gros paquet de pain au chocolat en surgelé. C'est des pains surgelés, donc ça, voilà. C'est des pains surgelés. Hein. Des pains au chocolat surgelés. 7,99€. Et vous avez les pains en réserve aussi. La prochaine fois, je prends. Ils aiment pas trop. Donc j'ai repris deux paquets de Doritos au fromage. J'adore ça, et Tiff aussi, donc on a un pour chacune. Et ça, c'est 0,40 centimes. C'est dégueulasse. J'en préfère un gros. On avait acheté aussi des pastels de nata, désolé, ils sont mourus ce midi en fait. Désolé, on a un peu chaud parce qu'on a coupé le bois. Donc, ah, c'est du bois. Chaud-froid. D'accord, le bas il est dégueulasse. Hein. J'ai juste mis un t-shirt froid pour que ça le fasse présentable. Hein. Et je vous le dis d'avance. Il est où le pastel de nata? Tu l'as rayé tout à l'heure. Laura, c'était pris aussi. On avait pris aussi des barres de Lyon. Ouais, des barres de Lyon par 3. On était à 3 dans la voiture, des petites barres de Lyon. Et c'est tout. Un petit carnet aussi, je sais plus combien. Bloc-note pour Laura, ouais, 0,99. Ah merde. Puis cadeau. Une brosse pour Laura, parce que vous verrez pourquoi on ne vous dit rien en ce moment. Pour nettoyer sa maison. Bah oui, pour nettoyer. Ouais, je les trouve plus, mes pastels de nata. Elle avait pris des briquets aussi. Ouais, c'est une fameuse, elle est comme moi.
Je trouve pas mes pastels des natas. Tu l'as rayé là. Cassoulet, pâte. On s'en fout des pastels des natas. Mais c'est trop bon ça par contre. Tiens, j'ai un appel de quelqu'un, de Tartiflette là, qui m'appelle. Sur ce, c'est pas grave, non, on s'en fout, c'est des pastels des natas. Je crois que c'était 1 € quelque chose, il me semble. Pensez à partager, liker, commenter, abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis c'est tout. Hein. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Voilà. Comme on l'a dit la dernière fois, on va essayer de faire un. C'est quoi qu'on a dit? Un medley? Un medley? Ouais, ça, on va vous préparer dans l'année un petit. Bah, dans l'année, une petite parodie, voilà. C'est une parodie sur plusieurs chansons qu'on déforme. Qu'on a à faire là, avec Laura. Qu'on déforme à mort. Tiffany aussi, des fois on est 4. Ouais. Donc ça, on va vous faire ça. Ça va mettre un peu de temps parce qu'il faut refaire les paroles et bien que ça soit pas mal quand même. Et on va vous faire, Laura, Tiff, qu'est-ce que nous a dit tout à l'heure? Tiff, tu nous avais dit quoi aussi tout à l'heure? Un quiz, ouais, c'est ça. Un quiz? Avec Laura, ouais. Un quiz des quiz sur des questions générales ou sur de la musique, on va vous faire ça aussi. Non, la musique, c'est mort. Petite vidéo sur mauvais. Quiz. Donc voilà, ça, on vous fera des petites des vidéos de cette année, hein, des petites nouveautés. Et puis, on vous refera un petit tag aussi, parce qu'on a un tas de tags, je crois, Piotr, qui nous avait tagué. Oh, ouais, elle va nous tuer. Ça va, elle est en retard. On est en retard. Voilà, sur les prochaines vidéos qui arriveront, mais la parodie, pas tout de suite, hein. Je vous préviens, ça sera dans l'année. Hein. C'est ça. Et puis, si vous avez d'autres formules sur les vidéos que vous voulez qu'on crée, entre guillemets, bah, vous nous le dites, hein. Mais pas un truc bizarre. On verra, vous nous le dites et nous, voilà. On validera. Voilà. On choisit quand même. Des trucs bizarres. Voilà. Des trucs bizarres, on ne fait pas. Voilà, on évite, parce que sinon, ça fait un peu space quand même. Pas déconner quand même, ouais. Hein. Sur ce, on vous fait de gros bisous, on vous dit un très bon week-end, une bonne soirée, une bonne semaine. Il y a un haut l'action après, je vous le dis, hein, ouais. Là on a commencé par nous. Donc voilà. Donc voilà. Gros bisous à tous, un bon week-end, bisous. Tu peux? Ouais. Ouais, à part raconter.